déballage du petit four. Enlève-toi. S'enlève. T'as pourquoi la caméra si tu veux, mais c'est tout. Le vaillant petit bonhomme qui m'a aidé à porter la charrette. Il est courageux. Et là, c'est un cache. Il fait cache-cache. Donc la petite plaque, tranquillou. Et une petite table. Le lèche-frites, donc le plateau, parce que monsieur confond plateau et table. Mm-hmm. C'est le plateau lèche-frites. Sur le côté. C'est pour faire de la pizza. La pizza, la quiche, le gâteau, le poulet rôti, plein de trucs à manger, des gratins. Tout ce qu'on ne peut pas manger depuis le 15 mars. Ouh, il y a un fil. Ça, c'est la manette pour faire sortir la grille. À quoi d'autre ? Comme le fil est plutôt assez long, je pense que ça va aller pour l'instant sur le meuble de Irina. Donc on enlève la polystyrène, l'autre côté du fer. On enlève le sachet géant. Oh là là. on va commencer par le mettre à 99. Le petit guide. Mon mode d'emploi, pour ceux qui savent pas trop faire marcher. Comment vous, le mode d'emploi. Blablabla, comme on appelle. Et le four de face. Et voilà, voilou. Je vais voir comment il fonctionne. Grosse carcasse, tout noir. Les temps indicatifs pour cuire une brioche. Normalement, il doit y avoir des piles. Non, il y a le courant, espèce d'andouille. Oh, mais celui-là, je te jure. Le temps indicatif pour faire cuire une brioche, pour faire cuire un sandwich. On ne fait pas cuire un sandwich au micro-ondes. Peut-être pour faire griller le sandwich, pour une quiche, pour un je sais pas quoi, pour du poisson. Ça c'est pour du gâteau. Pour de la viande, pour du poulet. Peut-être un gâteau, oui. Là il y a le bouton avec les durées, on peut faire cuire, il y a une durée de cuisson maximum de 60 minutes. Mmh. Et là il y a les différents programmes ici, et là il y a le... Les températures de 90 degrés à 230 degrés. D'accord. On ouvre un petit peu pour voir le caisson, tout ça. On va voir. Le lèche-frit, il va aller au fond. Tout ça. Récupérer les graisses. Et là, il y a deux crans. La grille. Et la grille, on va la sortir avec. Donc, il y a 99 à 200. Il y a 99 à 100. À 230, le hop de 10 minutes à 60 minutes. Parfait. Et encore un cran en haut. Entre hop et 60. Ah, il y a 3 crans pour la place. Ça peut faire aussi ça. Hein? Ah. GB13. Mais c'est pas en français, ça cherche en français, c'est marqué en anglais. Là, je faisais marquer français tout en haut. Pousse tes fesses. Non, l'autre côté des fesses. On fait de la place pour là où on a envie de l'installer. On va le porter délicatement pour ne pas l'abîmer, bien sûr. Il y a l'autocollant qui met que. Attention, alors, surface très chaude. Là, oui, normal. R. FR1. R, c'est français.
chocolat, bah, vite. On va l'enlever. Le four, ce qui est tout léger. Il est marqué 10 kg sur le carton. Il est super léger déjà. À la poubelle. Ah bah non, de toute façon, je l'ai acheté, j'ai pas pour le mettre à la poubelle. Hein. C'est pour faire des gâteaux maintenant. Ouais. Alors. Où c'est fraise encore? Ça a combien? Enlève ce qu'on veut dire. 5 minutes 47. C'est pas pour filmer ton nez, c'est pour filmer le bazar là. Donc l'installation ici sur le petit meuble que Irina m'a gracieusement offert, que j'arrive pas à montrer. Non, c'est pas toi qu'on veut voir, c'est le four et le meuble. Ça me faisait que ça me fait comme. On va avoir le film. Non, c'est pas pour. C'est pour. Non. Enlève ta tête, c'est pour le four, on va dire. J'arrive pas à montrer le meuble d'Irina. Non, parce que c'est trop gros. Non, toi t'es trop gros. Le meuble ici. J'arrive pas à filmer à l'envers, voilà. Et puis rendez-vous prochainement. Et ben sur la page Moche et Bon pour mes prochaines recettes ratées ou réussies, on sait pas. On verra. Voilà, c'était Cécile et Nadir. Bon week-end.